Regardez bien les têtes, les gars. Il va procéder à l'envoi des couleurs. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs. Vraiment, commandant. Envoyez. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Bon ensemble, viens à vous. Par le représentant de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Martin, Monsieur Jacques Collin. Par le président de la collectivité de Saint-Martin, Monsieur Louis Mussington. Par Madame la sénatrice de Saint-Martin, Annick Pétrus. Par le préfet délégué, auprès du représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy de Saint-Martin, M. Vincent Berton. Nous allons maintenant observer quelques instants de recueillement. Garde à vous! Au mort! Thank you.
Hey, how you doing? Ah, okay. Happy St. Martin's Day to... Oh, not to me. Happy St. Martin's Day. We have to enjoy our island and take the best of it. So everyone have to have fun today. It's our day. Commémorer le 14 juillet, c'est affirmer notre attachement à l'histoire de la France, à cette histoire qui est également la nôtre dans certains domaines, à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui inspira nombre de démocraties dans le monde. C'est redire notre attachement à la République qui vit le jour en 1792. La fête nationale célèbre le grand souffle de liberté, le grand besoin d'égalité, l'aspiration à une solidarité d'action autour desquelles nous poursuivons la construction de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Bien plus encore, célébrer le 14 juillet, c'est célébrer l'acte fondateur de la démocratie, mais aussi l'intérêt pour le progrès technique, l'innovation, la liberté individuelle, les droits de l'homme. Je souhaite rappeler notre attachement à ces valeurs fondées, notamment sur le respect de l'autre, le libre arbitre, le sens de la responsabilité. La République n'est pas seulement un héritage, c'est une dynamique qui vise à abattre ou à limiter les entraves aux libertés individuelles et collectives, à l'égalité devant la loi et à la solidarité des citoyens les uns envers les autres. Notre République est laïque, mais elle affirme dans la Constitution respecter le droit de croire et de ne pas croire. Elle affirme donc la liberté absolue de conscience, l'usage de la raison et garantit l'égalité.
Elle se donne pour mission de faciliter la concorde, la vie commune au-delà des différences. Les citoyens appartiennent à la seule et même communauté républicaine et qu'à titre égal, ils élaborent notre destin commun. Nous avons tous le devoir d'une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l'autre dans ses différences, plus respectueuse du devenir de notre environnement, de notre île, de la planète. Notre action doit toujours être guidée par ces valeurs. Gardez présent l'esprit. Cette cérémonie solennelle est aussi suivie de festivités. Être présent ici aujourd'hui, c'est également choisir de prendre part à la fête de Marigot. Et je dis bien prendre part à la fête de Marigot. Et reconnaître, célébrer Marigot, le pot principal de notre collectivité, revêt autant une dimension traditionnelle que politique. Célébrer la fête de Marigot est une volonté de perpétuer un passé, une logique patrimoniale et identitaire. The Marigot Fête, c'est notre façon de rappeler que nous continuons à exister tout en montrant notre adaptation au monde moderne. Ne nous privons pas des moments où nous retrouvons, même si nous devons encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, respecter les gestes de précaution dictés par la crise sanitaire que nous venons de subir. Ces gestes que nous faisons depuis plus d'un an sont le signe que, citoyens, nous savons faire preuve de responsabilité individuelle et collective.